Bonjour, merci d'être resté malgré la faim qui vous tenaille. Je voudrais vous présenter rapidement un exemple de montage de conservation d'un négatif papier de Louis Ving de juin 1861 et ensuite une proposition de présentation pour exposition. Il s'agit d'une vue panoramique de Marmorisa sur la côte Karamani en Turquie. Le négatif mesure 20,5 cm sur 26,5 cm. De face, comme vous pouvez l'observer, nous voyons un papier replié dans la partie supérieure pour agrandir le ciel du tirage. De dos, nous voyons que le ciel est non seulement rapporté, mais, alors ça c'est plutôt dans cette partie-là, vous voyez qu'il a aussi été détouré. Le montage de conservation que je vais vous présenter se présente sous forme d'une chemise en papier vélin de montage d'environ 280 grammes au mètre carré. Les deux feuilles sont celle-ci et celle-ci. Les deux feuilles sont réunies par une charnière en papier de 2 cm de large. Le négatif est placé entre deux polyesters haute transparence conformes aux normes de conservation qui est soudé sur 3 côtés. Je précise que c'est une pochette que nous réalisons nous-mêmes à partir de polyester de 100 microns d'épaisseur. Nous réalisons en premier lieu une soudure, ce qui permet une ouverture ample de la chemise ainsi formée. Nous plaçons notre négatif, avec beaucoup de précautions, vous l'imaginez, à l'intérieur de cette pochette. Et c'est ensuite que nous venons découper sur les largeurs le polyester et réaliser la soudure. Cela évite une mise en pochette qui risquerait de créer des abrasions sur notre négatif. Je vous ferai remarquer que le quatrième côté, je vous ai dit qu'on soudait sur 3 côtés, le quatrième côté, lui, qui dépasse de 3 ou 4 cm, reste non soudé. La pochette ainsi réalisée est reliée à la feuille de montage également à l'aide d'une bande autocollante en papier. Nous pouvons apprécier les détails du négatif sur une table lumineuse tout en laissant le négatif dans sa pochette de conservation permettant sa consultation. Au verso de l'image, sans contact direct avec les mains, nous pouvons observer donc le recto, le verso et la transparence. Ici, ce que l'on voit, c'est le côté non soudé, le fameux quatrième côté non soudé. Nous avons opté pour cette solution parce que on ne souhaitait pas avoir un air confiné à l'intérieur du montage de notre négatif. L'œuvre, dans son montage, est ensuite rangée dans une boîte de conservation, comme vous voyez ici. Grâce à la marge de tête de la présentation, il est toujours possible de consulter pleinement notre négatif, recto verso et par transparence. Et là, en l'occurrence, dans les magasins, dans un lieu qui n'est pas équipé d'une table lumineuse. Ce montage nous dispense d'intervenir sur la plupart des déchirures et des zones fragiles par des renforts qui pourraient être visibles par transparence. Nous préférons, alors nous allons déplier les petits morceaux qui éventuellement pourraient être mal positionnés. Nous allons replacer le dessus-dessous des déchirures, mais à ce stade, nous n'intervenons pas directement sur le papier d'œuvre. Là, alors je ne sais pas si vous voyez bien, nous observons ici un négatif au collodion humide de Stéphane Geoffray des années 1860, dont la couche image a été transférée de la plaque de verre, puisque c'est un négatif au collodion, transférée de la plaque de verre sur un support papier, donc extrêmement fragile, cassant. Alors, la pochette, par sa rigidité, permet une manipulation sécurisée. Nous pouvons aller, je le disais, jusqu'aux 100 microns. Si ça s'avère trop souple encore,
nous passons à l'optium qui a été déjà précédemment cité, optium le plus fin possible, ce qui va nous permettre de faire un caparaçon autour de notre négatif. Le montage sera sensiblement le même. On pourra le regarder recto, verso et par transparence sans avoir à mettre directement les doigts sur le papier d'œuvre. Le montage ainsi réalisé repartira dans sa boîte de conservation et pourra rejoindre sa place dans nos magasins. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir une ou deux propositions de présentation dans le cadre d'une exposition. Nous allons reprendre notre négatif de Louis Vigne et nous allons commencer par évider un velin de montage de 280 grammes. Alors, pourquoi 280 grammes ? C'est parce que ça correspondait à l'épaisseur de notre négatif. Et ce montage évidé est réalisé au contour exact du négatif. Alors, je voudrais vous faire part juste d'une petite réflexion off. Après l'excellente présentation de nos amis du Getty, et on est en période de fête, je me demandais quoi commander à Noël. Et j'avoue que ça y est, j'ai une petite ligne à rajouter. Mais bon, fermons la parenthèse, excusez-moi. Nous plaçons cette feuille, donc évidée par nos soins, avec le négatif sur un premier altuglas fin et transparent. Un second est posé dessus. C'est ce qu'il y a là, pas de souci. Ensuite, nous scellons l'ensemble avec un adhésif autocollant, formant ainsi un ensemble hermétique. Évidemment, il n'y a aucune liaison entre les deux, c'est juste encastré. Donc, vue de face, vue de dos. À ce stade, le négatif pourra être présenté verticalement comme cela, en vitrine, avec la possibilité d'accéder à la lecture recto-verso, la lecture des deux côtés. L'altu utilisé est plutôt évidemment de l'optium de chez TrueView, parce que la qualité permet d'avoir non seulement une transparence, enfin un effet anti-reflet extrêmement important, protection anti-UV. En plus, c'est un matériau qui ne se raye pas. Et j'ajoute aussi qu'il n'est pas statique, ce qui est quand même assez rare pour ce type de matériau. Voilà une observation du positionnement du négatif sur une table lumineuse. Vous pouvez observer que la découpe du vélin demande une grande précision. Nous avons opté pour ce type de présentation dans un premier temps, en attendant que la technique nous propose d'autres choses, c'est-à-dire nous préparons une plaque électroluminescente, comme il a été évoqué précédemment, donc je vais accélérer. Plaque électroluminescente à intensité réglable. Cette plaque électroluminescente allumée, comme vous le voyez ici, donne, ça a été déjà dit, une lumière froide, ne produisant en plus aucun rayonnement ultraviolet, ne chauffant pas, enfin. La plaque est fine et souple et peut en plus être retaillée. Nous voyons en haut à droite le côté branchement électrique qui évidemment disparaît dans la cloison lors de la présentation. La finesse de la source lumineuse autorise la présentation dans un cadre tout à fait standard, un Bristol avec une ouverture biseautée et tout vert, dégageant l'ensemble de l'œuvre. Les encadrements sont équipés, évidemment, de verres anti-UV et anti-reflet. Après le montage électrique réalisé, nous pouvons régler l'intensité lumineuse pour accompagner au mieux la lecture du négatif. L'intensité lumineuse est vraiment en fonction de l'image et réalisée cas par cas. L'idée n'est pas d'avoir un effet, j'allais presque dire jour-nuit, un effet positif et extrêmement négatif. L'idée est de donner au lecteur, lors des présentations, à l'observateur, le maximum d'informations
sur, comme on le voit ici, sur un papier rajouté, éventuellement si ça a été détouré, si on a des éléments caractéristiques de ce négatif par rapport à un autre qui pourrait être positionné dans l'exposition. Grande chance, voici le tirage positif sur papier salé d'époque d'après le négatif. Les présentations peuvent ainsi s'accorder entre le négatif et notre tirage positif. Exception Bibliothèque nationale peut-être, nous avons deux tirages d'époque de ce négatif, un dans le bon sens et celui-ci à partir du négatif mais pris du mauvais côté. Bon, heureusement, grâce au négatif, nous pouvons déterminer le bon sens de lecture. Au retour de l'exposition, notre négatif sera... je vais peut-être aller un poil vite. Notre négatif donc sera reconditionné dans un nouveau montage de conservation et retrouvera sa place au sein des collections de la Bibliothèque nationale de France. Je vous remercie pour votre attention.